Merci beaucoup, Monsieur le maire. Dans quelques semaines, au printemps 2017, cela fera six années que la guerre civile terrible sévit en Syrie, cinq années que le monstre de Daesh a émergé sur ce terrain chaotique syrien. Vous connaissez, nous connaissons tous les chiffres, mais je veux les redire ici ce soir, plus de 400 000 morts, plus de 2 millions de blessés, plus de 13 millions de déplacés, dont 8 millions de déplacés en Syrie, 5 millions de déplacés, de réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. Ces chiffres effroyables disent le drame syrien, dont est responsable bien sûr Daesh, que nous combattons et que nous devons continuer à combattre, mais dont est responsable aussi, et pour ma part je ne souhaite pas l'oublier ou l'occulter, le régime syrien et Assad. Donc je veux dire ici que bien sûr notre groupe soutient totalement la délibération. Nous soutenons cette délibération d'un soutien financier de 100 000 euros à l'hôpital de Bab al-Hawa, qui est un hôpital dans le nord de la Syrie, quasiment à la frontière avec la Turquie, à 50 km environ d'Alep. Nous soutenons et nous saluons au fond l'action de l'Union internationale des organisations de secours et de soins médicaux, qui ont fait un travail absolument remarquable. Je pense que Patrick Nukman reprendra ça à son compte tout à l'heure. Nous les soutenons et ils ont entretenu une coopération, notamment avec Médecins du Monde, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge, qu'à mon sens, notre Conseil de Paris devrait évidemment saluer. Ce soutien de la ville de Paris de 100 000 euros, il est d'autant plus nécessaire que, je veux le dire au passage, et j'en suis triste, la France n'a pas brillé par son aide à la crise humanitaire syrienne. Je ne veux pas vous donner ici les chiffres, c'est toujours pénible les chiffres, mais enfin sachez que la France a donné à peu près en millions de dollars, cinq ou six fois moins que ses voisins que sont le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et donc quand je vois une collectivité qui aide, j'en suis heureuse. Toujours sur la question de l'aide humanitaire, je souhaiterais attirer l'attention du Conseil, et je suis sûre que l'adjoint ne manquera pas de le reprendre, sur le dernier appel de l'ONU pour avoir un accès humanitaire aux civils syriens qui sont aujourd'hui bloqués dans 15 zones de conflit. Ils sont assiégés, ils sont au nombre de 700 000, ils n'ont aucune aide humanitaire. L'ONU a fait appel à une mobilisation générale de l'ensemble des pays pour imposer une trêve et cette aide humanitaire. Je souhaite que la France et l'Europe relayent cette idée. Un mot sur l'Europe pour conclure. Nous avons tous vu que les accords d'Astana au Kazakhstan, qui ont peut-être acté une trêve extrêmement fragile, nous allons voir dans les jours et les semaines qui viennent, ont mis autour de la table trois puissances qui sont la Russie, l'Iran et la Turquie. Nous avons tous vu que la France et l'Union européenne étaient absentes. Et au moment où Donald Trump prend des décisions en signant des décrets qui sont, on va dire, à mon sens, qui peuvent mettre en danger pour l'avenir, et au moment où, par exemple, il ferme la porte aux réfugiés syriens, je considère que la France et l'Europe devraient continuer de porter leur regard conjoint et leur volonté vers tout ce qui peut être fait en Syrie, au plan humanitaire bien sûr, mais aussi pour répondre et sortir de ce conflit en trouvant enfin une issue politique. Je vous remercie.